people feel like they have a book in them, or they have a song in them, or they have a TV show idea. And you can sit around and talk about that all you want. But until it is actually reality, it doesn't count. Bonjour les gens, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça fait bizarre, c'est le premier stream du soir que je fais depuis le changement à l'heure d'été. Donc en fait c'est la première fois puisque jusqu'à présent j'ai toujours streamé en heure d'hiver. Et je dois vous dire que par rapport au réglage de la lumière vis-à-vis du fond vert, c'est un petit peu un cauchemar. Parce que... j'ai un truc là sur ma droite qui s'appelle le soleil. Du coup j'ai dû fermer le store parce que sinon c'est le bordel sur la lumière. Donc je vais quand même tout doucement me poser la question de est-ce que je continue avec le fond vert ou est-ce que j'ai peut-être tout simplement l'enlevé? Je sais pas. Sachant que ce que j'ai derrière c'est pas dégueu, hein, c'est pas du bordel, il n'y a pas des piles de linge sale, il n'y a pas de la saleté. C'est juste pas un joli décor de stream, il n'y a pas des figurines, il n'y a pas des jolies peluches, voilà ce genre de choses. Donc je sais pas. J'y réfléchis, parce que là en fait, j'ai donc la lampe LED qui est juste en face, que j'ai dû mettre en intensité maximale. Donc ça me fait une gueule de vampire hein, de nouveau pour pas changer. Et en plus de ça, comme j'ai déjà un peu mal au crâne, disons que ça arrange pas les choses. Donc on va essayer de faire avec, mais bon. Donc j'aligne toute la combo qu'il faut bien. J'ai mal au crâne, j'ai la lumière qui me pète dans la face, il fait chaud et je veux pas trop ouvrir la fenêtre parce que le micro va être juste à côté donc ça va pas être terrible niveau son. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, j'ai pas joué à Hades depuis une semaine. Donc je vais être bien, bien, bien rouillée. Mais bon, on va faire avec. J'ai envie de dire au moins j'ai un long week-end pour me reposer, mais non parce que je travaille le vendredi et le lundi de Pâques. On sait par choix, certes, parce que j'ai un bonus pépette, donc je vais pas dire non. Hein, l'apport financier pour essayer éventuellement d'acheter un petit appart, ça va pas se faire tout seul. Mais bon, c'est vrai que s'il y avait pas ça, j'aurais pas bossé le week-end de Pâques, faut être honnête. Ouais, me suis trouvé des œufs au chocolat noir, donc cette fois je vais essayer de pas les poser sur le routeur. Parce que j'ai fait ça avec les derniers œufs de Pâques que j'avais, et puis deux jours après, je les ai retrouvés là-bas, dans le sachet, heureusement. Sauf que, évidemment, vu que le routeur, il est à 40 degrés, les œufs, ils avaient fait une espèce de pâte dégueulasse dans le sac, donc j'ai fait, bon... Pau balle. Donc voilà. Et voilà pour les déboires du moment, on va dire. Donc faut que je fasse gaffe. Je vais laisser mes œufs de Pâques au frigo, ce sera plus simple. Et, comme on est printemps, il fait chaud, il y a des pollens, je vais me moucher toute la soirée, yay! Donc désolé. Coucou Chouette Design, comment ça va? T'arrives pile pour me voir me moucher, c'est magique. Ah là là, vive les allergies. Et encore, ça pourrait être pire. Alors non, c'est pas le soleil dans ma face. Hein, c'est bonsoir Subalf. C'est pas le soleil dans ma face, c'est la lampe LED. Parce que sinon, le soleil, il me nique complètement tous les réglages pour le fond vert. Donc pour l'instant, je me débrouille comme ça, mais... On va dire pour les 6 prochains mois où il va faire jour pendant tous mes streams. Je vais peut-être penser à enlever le fond vert. Ouais, ça existe le soleil. Et rigolez pas, il fait super beau depuis hier, il fait vachement beau, il fait genre 20 degrés. C'est je fais ah ouais. Ouais, alors c'est pas une légende, ça me rappelle, il y a une espèce de il y a une vidéo sur YouTube genre English guy discovers the sun ou quelque chose comme ça. C'est Je vais essayer de le retrouver. Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Je sais que je l'avais vu sur YouTube. Discover Sun, je sais plus ce que c'était. Je sais plus maintenant. J'arrive pas à le retrouver, mais si je le retrouve, je vous le mettrai sur le Discord. Coucou Azeila, comment ça va chez toi? Alors c'est bien, je suis en train de chercher English Guy Discover Sun et je tombe sur des trucs sur des reportages sur le soleil, littéralement. C'est bon. Écoutez, j'arrive pas à le retrouver, donc tant pis.
Ça sera pour une autre fois. Ah, stupide piercing. Je me dis, il faut peut-être que je le change, ce truc. Moi, je sais pas. Donc ouais, voilà, désolé pour la tête de vampire. Quand il fera... Il devrait faire nuit dans 1h30, 2h. À ce moment-là, je baisserai l'intensité de la lampe parce que ça devrait aller au niveau du réglage. Mais je pense que vous le voyez, en fait, là. Vous voyez, là, les petites vibrations de gris. Bah, ça, c'est le fond vert... C'est le filtre qui a un peu de mal. Ah bah il fait beau chez vous aussi, bah tant mieux. Ah ça fait du bien, hein. C'est marrant comme quoi le changement d'horaire, c'est... Tout de suite ça fait été, alors que pourtant, on est quelque part toujours à la même période que samedi, hein. Bah bon. Les Anglais qui ont découvert le soleil, je pensais que les Grecs le connaissaient déjà. Ouais, à mon avis les hommes préhistoriques le connaissaient déjà aussi, l'appelaient peut-être pas comme ça, mais... Eh bien, pour ma part, ça s'est calmé mon allergie au pollen. Ah bah, tant mieux, c'est cool ça. Moi, c'est un petit peu l'inverse, j'avais pas d'allergie. Et ça a commencé les 2-3 dernières années, mais bon, ça reste léger. Donc, c'est pas... Comme dit, j'ai pas les yeux explosés à chaque fois. Promis, j'ai pas pris de la coke non plus. Mais ouais, mais c'est un peu embêtant parce que j'ai souvent le nez qui me gratte. Voilà, j'aime pas moucher en plein stream, ça fait un peu... Ça fait tâche, quoi, mais bon... C'est toujours mieux que de vous faire des vieux reniflements dégueulasses, donc... Alors j'ai redécouvert les joies de ces choses dehors qu'on appelle les guêpes et les frelons. Donc j'ai remis en place mon système du pauvre, j'ai une moustiquaire sur ma fenêtre. C'est juste... En fait c'est pas pour les moustiques, c'est pour les guêpes. Mais bon, j'ai pas de moustiques, donc c'est bien. Au moins ça sert. Ouais. Et non, arrête de respirer. Ouais, mais je vais pas tenir longtemps. Je pense qu'au bout, de quelques minutes, malheureusement, il y a tout le reste va s'arrêter aussi. C'est... Ou alors, je peux faire... J'arrête de respirer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Hein. Comme dans Astérix. Je sais même pas. Je pense qu'on peut pas arrêter de respirer sur commande. Au bout d'un moment, tu... Bah, tu relâches, quoi, forcément. Seule façon d'arrêter de respirer, c'est si quelqu'un te force à arrêter de respirer, je pense. Mais je cherche une solution. Moi, ouais, je vais devenir toute rouge, c'est ça. Je risque pas de devenir rouge aujourd'hui parce que vu la lumière que j'ai dans la face, si je deviens rouge, c'est que j'ai mis du colorant en fait. Mais bon. Non, par contre, tu tentes pas l'expérience, ouais, moi non plus. Bizarrement, ça me motive pas, je sais pas pourquoi. Bizarre. Hein. Ah non, je vais déjà avoir des expériences intenses ce soir, parce que j'ai pas joué à Hades depuis mardi, donc une semaine sans jouer, pour reprendre en plus en mesure d'urgence, je sais pas à quoi m'attendre. J'aurais peut-être quand même faire une partie entre les streams, juste pour pas perdre la main, je sais pas. Mais si je fais une partie entre les streams, c'est là que je vais faire des trucs genre vaincre Hades, ou... Et puis c'est, ah oh, ben zut alors, ils l'auront pas vu, ah oh, ben mince. Donc... Go Isaac, salut Dark Raven. Peut-être d'abord finir Hollow Knight, ça m'entraînera pour Isaac, parce qu'apparemment si sur Hollow Knight je suis nul, sur Isaac ce sera pire, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, mais c'est prévu, c'est Isaac, je pensais un truc, ça fait quoi, 10 ans que ça existe et ça se démode pas, donc il y a toujours des occasions de jouer à Isaac en stream, c'est bien. Mais j'essaierai. Je l'ai. Enfin, en tout cas, j'ai le premier. Et puis, comment il s'appelle? C'est pas Afterbirth, lequel j'ai d'ailleurs. Rebirth. À chaque fois, je les confonds. Rebirth, voilà. C'est pas la même chose, Hollow Knight et Isaac. Non, non, c'est pas du tout le même style de jeu, on est d'accord, mais... Vu qu'on m'a dit l'autre fois que si je trouve les Hollow Knight difficiles, je vais vraiment chier sur Isaac... Je me dis, bon, bah, il y a peut-être quand même un petit lien, quoi. C'est... La respiration est en partie gérée par une partie de cerveau qui apprend la priorité à la conscience. Ouais, je crois que c'est au niveau du cerveau reptilien, donc vraiment limite cerveau-là, quoi. Dans ce coin-là. Ah ouais, c'est... Bah, c'est un peu un truc... c'est un automatisme, donc c'est bien, justement, que ce soit automatique et qu'on n'ait pas besoin de le gérer consciemment, parce que sinon, on oublierait de respirer tout le temps. Et puis on mourrait vite. Dès qu'on serait un peu... Genre t'es concentré sur un boss dans un jeu, et hop, t'oublies de respirer, et puis tu meurs pendant le stream, ça serait un peu con. Bah bon.
Ah, sinon, bah, qu'est-ce que je fais? Du coup, Hades, il y a Hollow Knight. Bon, dimanche matin, je refais un petit stream dessin quand même pour essayer de finir ce dessin, ou du moins quasiment le finir. Hein, comme dit, il faut que je me sorte les doigts pour reprendre un peu. Et puis, peut-être que je pourrais faire un fanart de Zagreus ou un truc comme ça, ou de Thanatos, ou je sais pas, ça pourrait m'inspirer. Choubaf, il oublie de respirer quand il est imposteur sur Among Us. Moi, j'ai quand même regretté de pas avoir été en stream. Le soir, on a fait cette partie où Ronald était imposteur. Et où c'était absolument magique. On avait dit pas les dossiers. Alors, en parlant de trucs magiques dans les jeux, j'ai commencé Stellaris, alors évidemment avec 80 mods, hein, parce que sinon c'est pas drôle, avec mes potes IRL, hein, les choses innées, les choses acquises, ouais c'est ça, exactement. Et puis j'ai essayé ça avec mes potes, et je me suis dit entre midi et deux, là, hier et aujourd'hui, pendant mes pauses repas, bah, comme je suis chez moi, j'ai fait une partie solo pour m'entraîner un peu sur le jeu. Alors évidemment je passe ça en vitesse accélérée, donc j'arrive à faire passer beaucoup de temps dans le jeu, en peu de temps pour moi. Et... Soireux, t'as piétiné le cadavre de Chuba sans le voir. Je sais plus si c'était celle-là, ouais, je crois. Je crois que c'était celle-là. Mais je sais plus. Enfin, oui, c'était celle-là où Ronald, il est sorti de la bouche d'aération, là, du vent. Et puis, il y a tout le monde qui était rassemblé. On a tous vu qu'il sortait du vent. Et c'était bon, bah, hop, on vote. Hein. Mais c'était très fun. Ça, c'était digne d'un clip. Et c'est dommage que je ne l'ai pas. Je sais plus ce que je voulais vous raconter. Ouais, je voulais vous raconter ce truc qui est arrivé à Stellaris parce que c'était juste énorme niveau scénario. Donc je m'étais créé une race, une espèce alien, hein, évidemment, c'est pas des humains. Donc je commence à jouer. Et ben, dans le jeu, si vous connaissez pas, le but c'est d'explorer des systèmes solaires inconnus, coloniser des planètes, vous pouvez claim les systèmes et étendre votre empire, ce genre de choses. Donc j'envoie un vaisseau rempli de scientifiques pour aller explorer un système pas connu où il y a un trou noir. Et à ce moment-là, il y a un signal qui arrive du trou noir, donc je dis à mes scientifiques, ben, vous pouvez étudier le signal. Ils commencent à l'étudier, ils se rendent compte que le signal parle d'un truc appelé genre le grand ver cosmique, et pouf, le vaisseau disparaît. Peu de temps après, aux coordonnées exactes où le vaisseau avait disparu, on a... un message qui arrive de la voix de la scientifique en chef de l'équipe qui parle du grand ver et qui dit qu'un autre de mes scientifiques doit venir. Alors, le scientifique en question, j'ai l'option, il se porte volontaire, il prend une navette, il y va, je fais ok, parce que for science. Il arrive donc aux coordonnées avec son vaisseau, il commence à étudier le trou noir, et puis, dernière transmission que j'entends du scientifique, c'est un truc super chelou du genre... il fait sombre ici, mais ce n'est pas grave, nous pouvons vivre dans les ténèbres, surtout si le grand ver... plus rien. Quelques temps après, genre 2-3 mois, dans le jeu, rebelote, transmission de la voix des deux scientifiques disparus qui en appellent un troisième. J'envoie le troisième, qui sait qu'il va à sa mort et tout, il y va quand même. Pareil, il envoie une dernière transmission et il disparaît, transmission interrompue. Encore un peu de temps après... Un nouvel événement au niveau du trou noir, il recrache le premier vaisseau disparu, aux mêmes coordonnées où il avait disparu, mais pas personne à bord. Intact, sans souci, je peux le récupérer, je mets un autre scientifique, je l'envoie en mission. Depuis, il fait des recherches archéologiques, il se porte très bien. Donc ça, c'était pour l'épisode du trou noir, avec cette histoire du ver. Au même moment où le vaisseau a réapparu, donc cet événement au niveau du trou noir, on découvre sur la planète mer les ruines d'un temple que personne connaissait, on savait même pas qu'il était là. Il y a des écritures sur les murs, qu'on déchiffre. Et là, les écritures, c'est des sortes de poèmes qui parlent du grand ver, mais c'est très ambigu, on ne sait pas si on désire le retour du grand ver ou si on le craint. Bon, bah, moi, parce que ça va rendre mon peuple heureux de leur donner un monument historique, bah, j'ouvre le temple à tout le monde. Tout va bien, ça leur fait du bonheur, ils sont contents. En parallèle de ça... Ah, salut Kevlesco! Mais c'est pas grave si tu peux pas rester, t'inquiète pas. Mais merci de passer quand même. Et puis, bah, bon stream pour tout à l'heure si tu streams. J'arrête pas de me perdre dans mon histoire. Mais c'est une histoire de trou noir et de trucs temporels, donc forcément c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça c'était pour le passage trou noir. Et alors avec le trou noir aussi, dans les fameuses transmissions que les scientifiques avaient envoyées avant de disparaître, revenait tout le temps l'expression « ce qui était sera » ou « ce qui sera était », ce genre de choses un peu bizarre. Et du coup, encore un petit peu de temps se passe.
un système solaire à côté de chez moi que j'avais exploré, mais je ne l'avais pas encore claim au nom de ma nation. Il y avait un phénomène bizarre qui se passait. Donc, pour pouvoir l'étudier, il fallait que j'envoie une expédition, mais les scientifiques ne peuvent pas excaver des ruines archéologiques si le système ne m'appartient pas. Donc d'abord, j'envoie un vaisseau pour claim le système. Le vaisseau arrive, il se fait immédiatement confronter par un autre vaisseau qui est apparemment pris dans une boucle temporelle et qui est le vaisseau de l'amiral de la flotte, donc de mon amiral à moi que j'ai recruté. Sauf que celui-là qui va attaquer mon vaisseau de construction, il est vieux, il est scarifié et tout, machin, il a vécu une centaine de combats, tout ça. Mais l'amiral que moi j'ai recruté, il est jeune, il est à la base de la planète mère et il se porte très bien. Donc, l'amiral en question, il fait à mes gars, tuez-moi, mettez fin à tout ça, en garde, tout ce genre de choses. Bon, c'est un vaisseau de construction, il est pas armé, donc il décide de se barrer. Mais j'avais une option à choisir, c'était, avant de partir, amiral, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez au moins appris quelque chose dans cette boucle temporelle ? Donc du coup, l'amiral qui fait bien entendu, et d'ailleurs je m'attendais à ce que vous me posiez cette question, je vous envoie tout ce que j'ai appris. Et maintenant, en garde, et il commence à tirer dessus, quoi. Mon vaisseau revient, bon, pas de soucis. J'ai gagné des bonus en recherche de physique grâce aux infos récupérées, c'est cool. Et bah qu'est-ce que je fais, puisque le vaisseau de l'amiral, le vieux, il me barre le passage ? Bah j'envoie l'amiral jeune avec la flotte pour le tuer. Donc le mec il doit quelque part se tuer lui-même, enfin son moi du futur. Et ben il en reste assez perplexe pendant quelques jours et puis finalement il émerge de ses quartiers très stoïque en disant au moins maintenant je sais comment ma vie se termine. Il gagne Mouse XP, le gars stonk, pas de soucis. Donc je claim le système, j'envoie un vaisseau de recherche scientifique, il commence à excaver. Il trouve les restes d'une sonde qui appartient à un groupe appelé les messagers. Truc super bizarre, les messagers sont apparentés à mon espèce, mais on ne sait pas si mon espèce est leurs ancêtres ou si les messagers sont les ancêtres de mon espèce. Encore une fois, ce qui était sera, ce qui est, était, enfin voilà. Et le scientifique en chef de l'expédition, ben, for science ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il détermine que, ah c'est tragique parce que les messagers, ils avaient perdu en faculté cognitive. C'est dommage, il faut leur rendre hommage, il faut leur rendre justice. Donc qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il crée un rétrovirus qu'il s'injecte pour du coup modifier son ADN et devenir un messager, mais avec ses propres capacités cognitives. Ça marche très bien, le scientifique se porte très bien, il change d'apparence mais il garde son intellect, pas de soucis. Ça marche tellement bien que le virus est hyper contagieux. Donc moi qu'est-ce que je fais parce que YOLO ? Ben, je fais, oh, pas de problème, vous ramenez le virus à la planète mère, on va l'injecter à tout le monde. Donc du coup, ben, ma race a changé. Et il se porte très bien, y a pas de souci. Sauf que ça fait un peu bizarre par rapport à la colonie perdue que j'avais retrouvée entre-temps, qui, eux, ressemblent à mon espèce alien, mais à l'origine. Et j'ai que des événements comme ça qui se produisent depuis régulièrement. J'ai des anomalies temporelles dans mes systèmes, des trucs comme ça, et je sais pas si c'est lié au trou noir. Et j'ai trouvé ça très très fun. Et... le truc maintenant que je veux voir, ça j'ai pas encore eu l'occasion de le jouer, c'est mon amiral arrive à la fin de sa vie. Donc maintenant je veux voir s'il va disparaître dans le temps, ou s'il va juste mourir de vieillesse et donc briser la chaîne de l'événement qui s'était passé où j'ai dû le tuer quand il était vieux. Donc je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Paradox Interactive, ou je sais pas si c'est un mod qui a rajouté ça dans le jeu, mais j'en veux aussi, hein, parce que c'est magique. Alors j'étais tentée de faire un petit résumé sur Twitter ou sur ma page Facebook parce que franchement, je trouvais ça assez fun. Donc je sais pas, je vais voir. Mais voilà, en tout cas, c'était mes petites aventures de ce midi et de hier midi à Stellaris. Bonsoir Azril, ouais Stellaris, ouais. J'ai eu une chaîne d'événements liés à un trou noir et à des anomalies temporelles et c'était... c'était très bizarre. Très très bizarre. Mais ceci dit, j'accroche bien au jeu. Je pense pas le faire en stream parce que comme dit avec 80 mods c'est un peu lourd donc je sais pas si niveau RAM ça... J'ai que 16 Go. Je me tâte, est-ce que je claque 200 balles pour acheter la RAM qui me manque sachant qu'à l'origine j'ai payé 150 pour deux barrettes. Ça me fait un peu chier, une augmentation de plus de 25% mais bon. Enfin. Voilà, bah écoutez du coup, je vais quand même lancer Hades parce qu'il faut que je m'y remette et que j'arrête de me rouiller les doigts, hein. Et puis que Hades c'est bien. Mais s'il y en a parmi vous qui jouent à Stellaris à l'occasion, bah dites-le moi parce qu'on peut peut-être se faire un truc de temps en temps, ça peut être cool. Bon, sachant que évidemment, moi je joue modé, mais je peux aussi jouer sans les mods, ça fait juste bizarre.
Ok, j'ai pensé à couper la musique, ça va. 140 tentatives d'évasion, vous croyez que je vais encore crever sur celle-là? Parce que je reste en mesure d'urgence, bien sûr. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Faut que je change l'objet. Je ne sais absolument plus sur quoi j'étais partie. Une petite prédiction. Ah bah oui, bah allez-y, y a pas de souci. Petite prédiction. Attends, comment je fais ça, moi? Où est-ce qu'il est, mon truc de stream? Alors, vous voulez quoi Ok. Ah, je peux mettre d'accent. Ah, si, je peux. Dans le doute, c'est pas Alt F4. J'ai essayé, ça a pas marché. Oui, je m'en doute. Je m'en doute que ça a pas marché. C'est quoi ça? C'est mon micro? Ouais, ça va, c'est mon micro. C'est pas mon fond vert qui... Allez, je vais mettre une prédiction de 5 minutes. Oh, non plus. Je peux mettre 20 minutes après tout. Hein. Alors... je lis juste ce qu'il me disait. Ah ouais, ok. Putain. Me dites pas qu'il veut pas les accents, ce bâtard. Quoi? Je comprends pas. Je comprends pas, il me dit ce nom ne respecte pas les critères obligatoires, le nom de la prédiction c'est « Vais-je mourir face à Hades V2 ?» Ok. Est-ce que c'est le mot « mourir » qu'il aime pas? Je comprends pas là. Bon bah oui, c'est le mot « mourir » qu'il aimait pas. Je comprends pas Twitch. Je comprends vraiment pas Twitch. Ça fait combien de temps que j'ai un écran noir, là? Que j'ai pas remarqué que... qu'il a pas mis la capture de jeu? Putain. Ah non, mais je suis un boulet, c'est horrible. Hein. Sérieusement. C'est un jour, je vais arriver à faire un stream sans merdouille. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ton épée, toi? Bon. Oui, je sais plus sur quoi j'étais partie, histoire de pas toujours... Au niveau des dieux de l'Olympe. Qu'est-ce que j'avais pas encore comme légendaire? Parce que tant qu'à faire, je vais faire ça aussi. Hein. Est-ce que Artemis, je l'avais ou pas? Non, je l'ai pas encore eu. On peut essayer ça. On peut essayer Artemis. Ouais, allez. Par contre, je sais pas si c'est le mieux avec l'épée. Hein. Je sais pas du tout. Artemis, c'est lequel? C'est celui-là. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, donc, je suis toujours en mesure d'urgence sur Hadès. J'ai essayé jusqu'à présent et j'ai perdu évidemment avec le gun et avec l'épée. Avec l'épée de Némésis, pourquoi pas? Ouais. Parce que... Alors celui-là, je l'ai pas maxé par contre. Mais non, j'ai pas pouvoir le maxer en fait, c'est un peu le problème. Je peux essayer avec Némésis au niveau 1. Ouais. Nemesis. Je l'ai jamais essayé. Je vais juste aller voir si je peux pas récupérer un sang de titan tant que j'y suis, histoire de la passer au moins au niveau 2. Puis sinon, c'est pas grave, j'essaye avec Némésis niveau 1. Hein. Je crois que je l'ai jamais joué. Ambroisie, il m'en reste plus qu'un. Ouais, tant pis. Tant pis, je vais y aller comme ça, et puis on va voir. Mais ouais, effectivement, on va essayer Némésis. J'avais essayé Poséidon. Zagreus, je l'ai utilisé juste pour le buter lui, donc c'est dire. Ok, pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas joué à ce jeu depuis des années en fait, alors que...
Mystère, ouais. grand mystère. Bon, on va voir ce que ça donne. Artemis, bonsoir Gunjana, comment ça va chez toi? Tu viens me voir looser? Alors j'essaye Artemis avec un aspect du glaive différent. Donc on va voir ce que ça donne. Donc... Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? C'est quoi les prérequis pour son truc? Point de pression, plaie ouverte et tir de soutien. En fait, on peut participer aux prédictions depuis les Pays-Bas, mais on peut pas miser. Ah, d'accord. Je fais tapis sur le nom. Je suis crevée, mais ça va et toi? Bah, je suis crevée aussi, j'ai mal au crâne, mais autrement, ça va. Ouais. Ça... Enfin, la lumière dans ma gueule aide pas, on va dire. Qu'est-ce que je prends? Ben écoutez, on va mettre les dégâts critiques sur la technique pour commencer. Ouais, donc ça c'est la technique habituelle. Pourquoi j'ai l'impression d'être hyper rapide? Peut-être parce que à côté de Hollow Knight, je suis super rapide avec le perso, je sais pas. Alors faudra juste que je me rappelle que je n'ai pas la technique la technique d'Arthur là pour les pièges. Hein. Mais viens là toi. Voilà. C'est ça, ça va être le truc. Dionysos, Artemis Dionysos, ça peut donner quoi sur ça? Évidemment, j'ai marché sur le piège. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Le bonus critique de Némésis, il est sur l'attaque ou la technique, je me souviens plus. Je sais plus du tout. Non, ça c'est les coups du miroir, purée, je sais plus. Je sais plus. Je suis désolée. À droite. Ah oui, voilà. Votre technique ou ta attaque peut infliger des dégâts critiques. C'est après l'attaque avec la technique, ouais. Je me souviens plus du mappage des touches. Dionysos, bah on va voir. Ça peut être pas mal. On va ramasser du nectar. Je vais quand même regarder Dionysos également parce que pareil, je me souviens plus si j'ai eu son légendaire à lui. Évanouissement, non! Frappe éméchée, tir éméché, mais faudra que je mette du critique sur l'attaque. Je verrai. J'ai misé, comme ça, même si vous ne pouvez pas miser, vous gagnerez quand même quelque chose si je me plante. Ok. Bon, je pense que les oui, faut quand même l'emporter, mais c'est pas grave. Je vais peut-être prendre la cuvée de prestige quand même ici. Parce que j'ai pas le bonus des 50. Mais vu que je n'ai pas l'aspect d'Arthur. Donc ouais, un peu de life. Enfin si ça marche. Ouais, je sais pas du tout. Je vous avouerai que j'ai pas encore vraiment tout compris non plus avec les prédictions. Je sais pas, c'est une personne qui gagne ou c'est toutes les personnes qui ont misé. Enfin, si c'est leur truc qui sort. On se comprend. J'avoue que je sais pas. Donc, ouais. Grande question existentielle. Ah! Faut que je me casse. Ah! Ne pas me coincer dans le banc. Ce serait bien. Qu'y a-t-il des trucs intéressants là-dedans? C'est... Ouais, Hydra... Ah bah non, j'ai pas de pognon. J'ai que dalle comme tunasse. Pourquoi j'ai que ça? Ok. Ça va, c'est tranquille. Y a pas des jars qui traînent? Ce serait bien. Ça c'est quoi, du Athéna? Du Dionysos? On va aller chez Athéna. Oh, c'est le cristal qui pue.
Ah. Ouais. Vous avez remarqué que je ne sais pas viser ? Voilà. Ça passe quand même, même avec un aspect juste à 1. Ça va. On avait quoi ? Frappe divine, démarche assurée, bouclier sacré. Ben, je crois que Athéna veut que j'ai de la frappe, donc... Ouais, on va prendre la frappe. C'est si gentiment offert. Bon. Oh, ils ont l'air tout petits les crânes dans cette pièce. Ouais, elle torche bien la technique pour le coup. Je prends un peu de dégâts, mais ça va. Ça va. Alors, ce qui serait comique, c'est que je meurs avant Hadès. Vu que la prédiction, c'est quand même face à Hadès V2. Pas avant. Oh là là, c'est quoi tous ces amas de crânes, là? Ah là, je crois que j'ai réussi à placer un crit, mais je suis pas sûre. Faut que j'arrive à faire du DPS sur l'attaque en fait. Hein. Est-ce que je restaure mes PV? Non. Faut que j'offre un truc à Pierrot. J'ai encore du nectar? Ouais, j'ai encore du nectar. Oh, Sisyphe, encore des trucs à me dire. Waouh. J'adore les discussions avec Pierrot. Qu'est-ce que j'ai eu? Dégâts de technique plus 2%, ouais. C'est gentil. Oui, je crois que j'ai vu tout ce qu'il y a à voir dans les enfers, on est d'accord. Ouais. C'est vrai que Sisyphe, il a pas envie de sortir, il est... je crois qu'il est libéré maintenant. Ouais. Enfin, j'ai fait lever sa punition, un truc comme ça. D'accord, donc rester ici, c'était le nouveau départ dont il avait besoin. Ok. Ok. Ce qui te rend heureux, mon gars. Voilà. Ah bah du coup j'ai plein de pognon, c'est bien. Est-ce que j'ai récupéré du pognon comme ça? Il y avait une jarre. Me rappelle, j'avais 37 et maintenant j'avais 250. Oh purée. Je sais pas du tout. Yeah. Ah oui, on avait dit que la musique était un petit peu trop longue aussi, il faudra que je le... Pourquoi mes alertes sont en double? J'ai toujours pas trouvé, je suis désolée. C'est je les ai recréées dans OBS, mais ça change rien. 6K2, vais-je canner? Ben ouais, ben... Ah non, mais vous avez confiance en ma capacité à loser, c'est bien. Ça veut dire que ma réputation n'est pas usurpée. Ah, je suis censé avoir skill 0, faut bien que je le vive. Hein. Si je commence à avoir du vrai skill, c'est là que ça va faire bizarre. Pourquoi il brille? Un peu fort aussi, non. Mais je l'ai mis à 5%, je sais plus quoi faire avec ce truc. Je suis à un pourcentage quasiment minimal. Voilà, prendre ça. Et un pâté marteau. Et tout ce que je pouvais pour le nom. Ah, ça sent déjà le boss. Ok. Déluge de lames. Est-ce que je l'avais déjà, celui-là? Je crois. Il était assez marrant. Technique. Ouais, non. Je vais prendre déluge de lames, c'est celui qui m'intéresse après tout. Ah, ah, ah. Le petit bruit du poisson. Ah, ça me donne envie d'acheter du poisson maintenant. Je m'en commanderai sur Amazon. Faut d'ailleurs que je vois s'ils font des livraisons le week-end de Pâques ou pas. Ouais, merci Chuba. Des poissons. Ah, je suis pas au max de life par contre, là. Bon, tant pis.
Hello, Fury Sisters. Ah, c'est qui c'est Major en premier? Ouais, fais claquer ton fou à ma grande. Tiens, Alecto, elle a dit quelque chose, hein? Voilà, Tisiphone. Voilà, rends-moi mes émolites. Alors. Ah zut, pas assez rapide. Ouais, ça me stresse de rien avoir sur le lancer en fait. Je vous cache pas. Tisiphone qui a pété partout. Elle est où Méja? Ah, j'avais oublié ce détail. Ok. Toi, tu vas arrêter de m'embêter. Ah ouais, j'ai plus du tout l'habitude des Erini, hein. Ah voilà, je me disais bien, ça faisait longtemps. Eh, mais vous croyez que je vais le perdre, le refus de la mort, ou pas? Oula, j'ai une saccade, là. Ah. Des pipoules mollusques. Ouais. Ouais, ouais, mais ils sont pipoules, les petits poissons. Ah oui, je n'ai plus l'aspect d'Arthur. Ah, il n'y a pas à ralentir les projectiles. Les autres pétasses avec leurs projectiles, elles me saoulent. Hein. Ah 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 ah! Courons, courons! Ça va, ça m'atteint pas ici. Voilà. Prendre 7 HP. Ouais. Peut-être pas en vrai, tu t'en sors bien pour l'instant à pas mourir. Ouais, j'ai réussi à pas mourir, c'est cool. Après, perdre un refus de la mort à cet endroit-là, c'est pas non plus dramatique. Mais bon. Mais sérieux, ouais, je repense à cette histoire de d'alerte, je sais pas pourquoi c'est aussi fort. Je pense que je vais carrément reprendre la musique, la couper, et puis la faire l'enregistrer moins fort déjà. Non, je veux pas ça, moi. Qu'est-ce que je prends? Donc, j'avais Artemis. Bah, du coup, ça me sert plus à rien de le prendre. Je repars sur quoi? Est-ce que je repars sur Athéna? Je repars sur Déméter? Je level autre chose. Je suis sur quoi là pour l'instant? J'ai du Artemis, j'ai du Athéna et j'ai du Dionysos. Enfin ouais, Dionysos. Ouais, je sais pas. J'ai rien sur l'élan, on va peut-être quand même essayer de choper l'élan d'Athéna. La moulasse, ouais. J'ai encore oublié de la moulasse. Allez, de la thune. Et là... Ouais. Pareil, faut que je me rappelle que... Faut pas que je marche dans la lave. Bon, eux, ils vont vite me saouler. Pourquoi eux, ils peuvent m'interrompre et moi, je peux pas? C'est pénible à la fin.
Voilà. Tu vas aller mourir dans ton coin. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je sais pas, est-ce qu'il y avait des trucs ici ou non, il y a rien. Hein. Oh non, il y a que Pouk. On va aller chercher le cœur de centaure. Parce que c'est vrai que oui, ça... 500 boules à ce niveau-là, ça va. Ben, je suis pas le droit de passer chez Caron à la fin, avant les boss, donc... Forcément, hein. Ah, ça me stresse de rien avoir sur le lancer, hein. C'est... J'ai pas l'habitude. Ouais, reste dans le truc. Non, même pas. Bon. Elle est sympa, cette attaque. Ah! Au moins, c'est pas... une gorgone. Ouais, mais j'aime bien ce petit marteau. Il est assez rigolo. Voilà. Bon, je vais arrêter, mais... y a quoi? Hermès. Et là, c'est Athéna. Bah, je voulais du Athéna. On va chercher Athéna. Ah oui, c'est vrai que bah, j'ai Athéna sur la frappe. Mais non! Il est où? Voilà. Ah bah il était déjà mort. Il était déjà mort ce truc, mais... C'est quand même pas avec mon lancer moisi que j'ai réussi à lui faire du mal, si? Bon bah toi tu vas rester dans la lave, ou pas. Voilà. Lady Athena. Alors, que va-t-elle me donner? J'entends des links. Quoi? Hear me on my authority. Comment ça? Ah je... Ah oui, ok, duo Athéna-Artemis, ok. Ouais, je vais le prendre. J'aurais bien pris le lancer aussi, mais... On l'aura peut-être ici. Le bassin. Voilà. Histoire de pas crever trop bêtement. Ah! Faut pas que j'aille dans la lave. Je déteste ce terrain. Sérieusement, je le déteste. Oh, je suis pas morte, certes, mais je le déteste quand même. Bon, ben, je crois que le tir de phalange... est pas mal. Ah, quoique... Quoique... Tentable. Je vais être joueuse. On va faire ça. Y a quoi? Y a du nectar. Y a de la thune. Je crois que c'est la seule sortie. Hein, y a pas autre chose. Ouais. Bah. Go nectar. Ah mais oui, avec le nectar, je vais récupérer des points de vie. Enfin, je vais gagner de la vie en plus. Hein. Merci Dionysos, c'est quoi ce bruit? Oh, c'était les citrons! Les bébés de... J'ai toujours envie de l'appeler Nessie. Non, c'est Lerny. Enfin, Lerny, c'est le futur de Nessie, quoi. Mais encore. Oh! J'ai pas vu venir, ceux-là.
Mon timing pourri, comme d'hab. Ah, ah. Un crétin bleu. Mais non. Rends-moi ça. Mais sérieusement. Pourquoi? Pourquoi on peut pas les interrompre comme eux nous interrompent? Ouais, 270 PV alors que je suis pas sortie d'Asphodel. Sa mort, c'est petit ou à l'air ni... Mais ouais, mais trop, quoi. C'est... ils sont... comme ils sont agressifs, là. Mais... aussi décharnés que leur maman, mais... Ah, Artemis Athéna. J'ai peut-être chopé le légendaire. À voir. Enfin, celui d'Athéna, du moins. Elles sont où? Purée. Mettez-vous à l'autre bout du tableau, tant qu'on... Ah, bah, dis donc. Allez, Arty. Tir précis, élan du chasseur. On va prendre tir précis. À quoi que. Bah, désolé, hein, je regarde de nouveau par rapport au légendaire. Tir de soutien. Ouais, j'en ai aucun. Point de pression, plaie ouverte, tir de soutien. Bah, tant pis, on va prendre ça pour seconder le quelconque lancé que j'obtiendrai. La possibilité n'était pas de zéro, cousine. Ça pouvait se produire. Avec le tir de soutien, c'est pas dégueulasse, donc ça va. Alors, je vous demande... un petit instant parce que ça sonne et comme il y a personne d'autre qui va ouvrir, j'imagine qu'il faut que j'aille ouvrir. Je reviens. Ah bon, visiblement c'était pour le recensement. Bon, on fera ça en ligne. J'espère que je vais pas me faire buter connement maintenant. Ah! Il y a des cochonneries! Bon. Toi, tu vas venir par là, histoire que je te poutre ta face. Bon, alors, Athéna qui m'envoie des gorgones, ça, par contre, c'était méchant, cousine. C'était très méchant. Je ne te pardonnerai pas. Enfin, si, si tu me files un bon bienfait, je te pardonne. Viens là. Ah, comme quoi, le bouclier d'Athéna dans la lave ne sert à rien. C'est bon à savoir. J'ai quand même perdu de la vie à la con là-dessus, hein. C'est pas pour dire. Elle a intérêt à me filer un truc bien. Élan divin, bon. Vu que j'ai toujours rien sur l'élan, on va prendre ça quand même. Parce que ça commence à manquer. Et on va aller chez le poteau Caron, parce que je sais pas pour vous, mais ça sent la lernie. Très très bientôt. Eh ouais. Oh! Aura-t-il un truc à me dire? Être reconnaissant pour votre soutien. Oui, c'est vrai que c'est lui qui m'avait envoyé Thados maintenant que... maintenant je me rappelle, là. Hein. À chaque fois qu'il parle, moi je m'imagine le doubleur. Genre...
Bon, allez, allez Maurice, hein, là, tu mets un petit peu plus d'émotion dans ton... Parce que faut qu'on sente que Caron, il est content ou qu'il est énervé. Tu as vu le détail des statues avant la salle de Lernie? Où ça, ici? Il fait quoi, ce pauvre squelette? Je vais essayer de prendre ça. Il y a ça. Ah ouais, celle-là! Ouais, ouais, avec le pauvre petit squelette qui est là. Ouais, les deux grosses têtes. Hein. Ah ouais, c'est... Il ne laisse rien au hasard. Soutien de Dionysos. Ah, eau de vie, ça peut être bien, ça. Ça, c'est cool. Parce que des fontaines, j'en ai encore 3. Facile. Voire plus. Bon, bah écoutez, on y va avec 226 PV. Hein. Je l'ai déjà fait avec 200 PV, donc... en soi. Allez, un petit lancer dans ta face. Ah bah c'est vrai que j'ai pas pris le lancer d'Athéna. Ah! Maintenant je me rappelle. Et les connes de chantier, non mais dis donc toi. Et ces vieux bâtards en bleu là. Voilà, il y en a encore un là, non? Mais reviens là! Ok. Première phase. Bon, je l'ai déjà fait plus rapidement, Lernie, hein, mais... Mais ça devra aller. Non, le problème, c'est les squelettes bleus. Ceux-là, ils me saoulent. Autrement, ces tirs énergétiques, ça devrait le faire. Avec la frappe d'Athéna, ça devrait aller. Mais... Eh, le petit tir de soutien, ça c'est cool. Voilà. Non. Non. Ah. Caution. Oh, je suis arrivée à l'éviter. C'est magique. Voilà. J'aime beaucoup ce marteau. Je sais que j'ai dû le dire au moins 3 fois déjà. Ah, il y a un œuf. Il y a un non-œuf. Et c'est pas des œufs de Pâques à ce niveau-là. Hein. Regardez-moi le carnage. Bon, par contre, là, si je suis pas gage, je vais crever dans la lave. Prochain cône de chantier, je pense que c'est un coup à... Ah merde. Bon, c'est pas grave, je trouverais bien un baiser du Styx quelque part. Ou Patrocle. Bah reviens toi. Voilà. Eh, j'adore la musique sur l'hydre quand même. Voilà. Yeah! Juste à temps. No more heads. Bon, dommage pour le refus de la mort, mais... C'est rien de dramatique. Alors... You crossed through Asphodel quite rapidly. Oeil de Lamia... On va choper ça, il y a de quoi faire. Du coup, qu'est-ce que je prends? Bah oui, bah le gland. Je prends le gland, forcément. Pourquoi je fais ça, moi? That's it for Asphodel. Allez. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu la main encore. Je vais pas dire que je suis déçue, mais... Je pensais que je serais pire que ça. Donc, quelque part, ça va, en fait.
Qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah un marteau, forcément. Ah, 300 PV à l'entrée d'Elysium, c'est pas mal. Boum boum boum. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y avec ton coupe-chou de Némésis. En vrai, c'est pas que je passe mon temps à matraquer le bouton d'attaque, c'est juste le marteau qui fait ça. Hein. Allez, voilà. Est-ce que c'est le dernier? Yes! Alors, deuxième marteau, j'ai quoi? Double tranchant, Nova percutante, lame cupide. Le problème de la lame cupide, c'est comme je vais tout claquer à un moment donné juste avant Hadès. Ah, je sais pas, peut-être prendre celui-là? J'ai rien. Oh non, mais toi. Ça va là? Vous avez fini de péter partout? Oh. Oh là là. Ouh, des chars. J'ai pas l'impression que j'ai un peu plus sur les dégâts que l'autre fois. Je sais pas. C'est peut-être juste moi. En même temps, c'est peut-être que... Ah bah oui, forcément. Vu que j'ai l'attaque qui est plus rapide qu'avec Arthur, je casse plus d'attaque. Logique, logique, logique. Viens là, toi. Ouais, c'est ça. En plus, avec cette attaque-là... C'est vraiment la technique de la péricube, hein. Découpage en petits cubes partout. Tu t'entends bien avec je sais plus qui, celui qui t'a donné sa dent porte-bonheur. Ouais, tu sais plus qui c'est. Allez, allez. Frappe fulgurante. Ah, ça. Ouais, ça c'est bien. Avec un lancer comme celui que j'ai là, c'est bien. Je suis pas allé voir Caron depuis un moment. Ah, ouais, non, mais y a Patrocle. On va aller voir Patrocle. Ah! Il est avec son poteau. Le bon vieux technique du bourrinage! Ouais, c'est ça quoi! Non, mais c'est ça! Je reste appuyé, puis ça fait ça tout seul. Alors maintenant, la grande question, est-ce que je prends l'hydracola? Parce que pour un refus de la mort qui manque, ça saoule. J'ai pas envie de gaspiller Patrocle là-dessus quoi. Pourquoi il me parle de la pêche? Ok. Certains d'entre nous prennent la pêche très au sérieux, monsieur. Et puis, ça me change un peu de devoir me battre sans arrêt. Ouais, la pêche d'abord. C'est une affaire d'homme, de vrai. Moi-même, je me suis laissé distraire pendant un combat une fois et bah, j'ai fini ici. Oui? Ouais, allez. On va quand même prendre l'hydracola. Voilà pourquoi il me parlait de pêche. Où qu'il est? Où il est? Je l'ai entendu. J'ai entendu un ding. Ah, voilà. Je suis pas sûre d'avoir jamais eu des poissons chez Patrox. Je m'en rappelle pas, en tout cas. Petite chalourde. Bon, bah, un cœur. Hop. Allez les archers, vous allez pas m'embêter longtemps. Non, tu te réarmes pas s'il te plaît, merci. Où sont les autres? Je les ai entendus. Ah! Yes, merci, merci le tir. Voilà, technique du bourrinage, moi je dis ouais, effectivement, ça va très bien. Ça passe crème. Ah
Ah oui, j'avais pris un truc qui me lâchait des sandwichs. Je crois. C'est pas déjà fini, ça? Bon. Faut croire que non. Oh, Thanatos! Espèce de poseur, Thanatos! Espèce de vieux poseur! Ah, ceux-là, quand il y a Thanatos, je suis pas fan, parce qu'il faut quelque part, faut les buter deux fois, entre guillemets, quoi. Donc forcément, lui, il y arrive un petit peu plus vite. Bon. Non, Thanatos, viens pas! Voilà. Elle, ça m'arrange plus. Ah, mais il les bute en un coup, le bâtard. Il devient pas des petits crânes avec lui. Bon, on va essayer de pas mourir. Je suis encore en tête, mais pas pour long. Ah non, je suis en tête. Ok, c'est cool. Merci pour le cœur. Ok. Et j'ai vu de la thunasse tout à l'heure. Je sais plus où c'était, mais il y avait de la thune. Est-ce que je l'ai prise? J'ai l'impression que oui, mais... Don't die, Zach. Don't die. T'es gentil de me dire ça, mais tu sais très bien que je vais mourir. Zeus et ça. Ok, bah non, mais j'ai dû la récupérer, la thune. Je vois plus la jarre spéciale, bon. À prendre du Zeus, hein. T'as encore de la synergie de bâtard qui ressemble à rien. Vous savez que j'ai toujours rien sur le lancer, hein. C'est douloureux. Bon. Il faut que je le bourrine avant qu'il m'embête. Voilà. Ça, ça s'est fait. C'est qui me vise, là? Voilà. Ah! Le petit hémolyte qui manquait. Voilà, ça doit être la fin. Yes. C'est la fin. Soutien de jeu, vengeance céleste ou réflexe foudroyant. J'ai toujours pas de soutien. Et c'est après que je trouverai le soutien d'Artemis, je le sens venir. Non, mais en même temps, je suis au cac, donc soutien de jeu, ça passera très bien. Puis là, des petites obsidiennes. Et tu fais, ah ouais. Ouh, ça sent la fontaine. Ça sent les dégâts en plus. Bah voilà, Artemis. J'ai rien oublié? Non. Si là, elle me file son soutien, je la bute. Non mais oh, les chars là. Eh oui, c'est vrai que j'ai un appel. Ah bah voilà de la thune. Voilà, allez mourir tous les deux. Le pognon, parce que faut pas oublier les choses importantes. Ah! J'ai failli pas faire gaffe au lance. Comme quoi... T'as encore un là? Non mais où?
Mais ils sont combien? Ils sont combien ces papillons de mes deux? Allez. Voilà, allez mourir. Hop, réglé. Bye bye. Paratonnerre, pas celui que je voulais, mais c'est pas grave. Mais je l'ai pas déjà celui-là? Mais je l'ai déjà? Bon. Paratonnerre ou mort propre? On va quand même prendre celui-là. Hein. Alors j'ai récupéré la thune, il n'y a pas de bassin, il n'y a pas de poisson. Bah on va aller chez Caron et je pense que ça sent l'ami Thésée. Hein. Thésée le potastérion. J'avais quoi sur le lancer moi? Ah non, c'est ok, d'accord, oui, c'est bien le lancer d'Artémis que j'avais. Ouah, Caron, on dirait que t'as faim là. Il faudrait que nous trouvions une compagne digne de tout. Oui? Non, me fais pas coucher avec Artémis, s'il te plaît. Bizarrement, je préfère passer le plus clair de mon temps seul ou avec mes amis nymphes dans les bois. Je sais pas pourquoi, je te comprends. Bon, ils insistent, hein. Allez, je le prends, votre paratonnerre. Hop, une petite tranche. Hop. Ben, je suis au max. Bon, ben, je suis au max. Pourquoi j'ai pensé que c'était le lancer d'Athéna que j'avais pris? Ben non, c'était Artémis. Oses-tu affronter le champion de l'Elysée et son plus fidèle compagnon? Oui! Ok, Thésée, tu commences comme ça? Ouais, non, si je tire dans les colonnes, ça va pas le faire. Wouh! Ah oui, j'ai le gland, c'est vrai. Mais j'utilise un petit peu rapidement le gland, là, j'aime pas. Ah, quoique, non? Comme il se prend la colonne, tranquillou. Ah, 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 non, non! Ah! Voilà, c'est fait. Toi, tu prends un coup dans le cul juste pour la forme. Viens, Astérion, là, que je te tire dessus. Regarde, moi aussi, je peux faire ça. Ok. On se barre. Cassos. On va peut-être pas utiliser l'appel, hein. Ouais, j'ai utilisé le gland trop vite, hein, c'est... Faudrait que j'esquive mieux. Ok. Lui, il est déjà à la moitié. Bon. On va quand même coller Zeus sur le Minotaure. Ce sera toujours ça de gagner, hein. Ok. Cassos. Purée, je perds de la life trop vite, hein, c'est pas cool. Malgré tout ce que j'ai. Purée, je le vois même pas quand il me fonce dessus, c'est ça qui est terrible. Bon, Thésée, enlève-moi tes trucs. Voilà. Ouh, 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 ouh.
Ah, j'étais coincé dans le mur. Vous m'avez vu comme j'étais coincé dans le mur, là, l'air. Pourquoi il est mort? Je l'ai même pas touché. Comment il est mort, Astérion? Il a pas... Je lui ai pas mis de dégâts, Il n'y a pas de DOT sur la face. Et puis là, j'ai rien compris, là. Bon, maintenant, faut que je cours après Thésée, qui me chie des hémolites au passage. La 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 la. Ah si, il a quand même réussi à me placer un coup. Ah, ma bonne petite hémolite, où vas-tu? Ah, Thésée. Décidément, hein. Je vais tout mis, non, pas encore. Ah, ah, ah. Ah, zut. Ça, c'était moche. J'ai peut-être perdre un refus de la mort quand même sur Thésée. Ça serait chiantos. Ah, zut, j'aurais pas dû l'utiliser maintenant. Merde. Oh là là, ça c'était un nom qui venait du cœur. Ouais, je pars pas gagnante sur ce truc, hein, sur cette run. Sauf si je trouve deux baisers du Styx, mais... Yep. Mais Zeus, bah son éducation n'était pas parfaite, quoi. Genre pas du tout, en fait, oui. Ouf. Bon, bah, vous croyez que je peux trouver deux baisers du Styx? Pour être bien? Alors peut-être qu'il y a dû en prendre un chez Patroc là maintenant que j'y pense, mais... Bon, tant pis. Il y a encore quelques bassins qui m'attendent. Voilà, c'est toujours ça. Et on va pas être un chien, on va prendre la dent de Tados quand même pour ce coup-là. Le fan club est présent, ouais! Ouais, je suis allé le saluer dans les gradins. Allez, on y est presque, ça fait longtemps que j'ai pu gagner de 100 titans. Bon. Par contre, j'ai peut-être gardé le... C'était quoi l'aspect de Némésis pour une prochaine run de nouveau plutôt qu'Arthur. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Il y a un petit cœur. Et alors, on va commencer par Athéna. Il y a quoi, Athénia, Pognon et Zeus? Bah, on va aller là. Comment ça, qu'est-ce que... Bah oui, c'est le même genre de d'ennemis que j'ai déjà vu. Je sais pas pourquoi Zagreus est surpris, mais... Il est bizarre des fois, Zagreus. C'est genre, c'est bon, t'as découvert qu'il y a des trucs qui existent, quoi. Allez. Voilà. Je sais pas si c'est le poison qui les a tués, mais c'était rigolo. Voilà. Un petit massacre. Oh, il y avait du pognon. Il y avait du pognon. Yes. Et il y a des dégueulatos. Vieux satyre dégueulasse. Ah non, je sais, bah oui, parce que comme j'ai Athéna, forcément, je leur envoie le poison dans la face. Évidemment. Mystère résolu. Enfin, je pense. Bon. Ça aurait été trop beau que ce soit dans cette salle, hein.
Ah non, ne traîne pas dans le poison, Zag. Ne traîne pas dans le poison, c'est pas bon pour ce que t'as. Où est-ce qu'il est encore l'autre bâtard? Ok. Bon. Alors eux, on va leur régler leur confie ça, hein. Il est encore là, lui? Je sais même plus ce que je fais, en fait. Je sais juste que je bourrine dans le tas. Où il est? Voilà. Merci la roue dentée pour avoir éliminé un ennemi pour moi. Ça, par contre, quand ça se passe, c'est toujours bien. Fière allure, rempart indestructible. Ah, voilà. Voilà, ça c'est cool. À défaut d'un baiser du stick, ça me va aussi. Même s'il n'était pas épique ou quoi que ce soit. Ok, bon, on va chercher de la thune. Let's see what's in here. Je parie que ce sera chez Zeus, hein, évidemment. Alors, on a encore un emmerdeur ici. Yeah, du pognon. Ah, vous l'attendez la fin de la prédiction, hein. Vous attendez voir qui c'est qui va gagner. Ah, mais il y en a là encore. J'ai combien en thunes là du coup? Ah non, c'est déjà là. Ok. J'étais sûr que ce serait après. 410, c'est pas mal 410, hein, en vrai. C'est pas mal, hein. Faudrait que pour le fun, j'essaye de faire une run, genre essayer d'avoir 600 points de vie ou un truc comme ça, ça pourrait être rigolo. Avec Arthur, en prenant des trucs de Dionysos, ça peut le faire. Allez, go. Boursou, c'est le troisième poisson quand même, hein, sur cette run. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? J'ai 500 boules. Presque 600. Ah, je peux pas prendre les deux là. Ben, en vrai, ça va être soit celui-là, soit les deux autres. Hein. Ou alors le Hermès. Ouais. Bon. On va augmenter... pas l'attaque. Et... ouais, bon, ben... je pense qu'à part attitude positive, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est dommage, la 143, c'est... je peux rien faire avec. Mais tant pis. Bon. On va voir comment je me débrouille. Au moins, pour une fois, j'y vais pas au lancer de Déméter. Hein. Mais j'ai pas réussi à avoir le légendaire d'Artémis, donc faudrait que je recommence. Parce que c'était un petit peu une partie de mes buts aussi. Nice night, no. Allez, papa. Allez. I suppose that you must be eager to repay me for last time then. Voilà, je change un peu l'intensité maintenant que la luminosité a baissé dehors. Parce que ça commence à me faire mal au crâne. Enfin, encore plus qu'avant. Allez. Ah, Athéna, c'est bien. Ouh, je suis pas éloignée à temps. Il y a un endroit comme ça où on peut rester, où il vous touche pas, mais je ne sais jamais lequel c'est. Je ne sais absolument jamais. Ouais, ben j'ai pas un DPS de ouf, hein.
Ah. Coup de sang de mes deux là. Ah oui, il y a les... Oh, pas les cônes de chantier. Bon, ben... À défaut d'autre chose, hein... Honnêtement, j'aime bien savoir comment les gens qui le butent à ce niveau-là font, hein, parce que moi, vraiment, j'ai du mal. Ok. Oui, je résiste, papa. Bien sûr que je résiste. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment que je résiste. Bon, au moins, c'est des cônes de chantier. C'est pas le cristal qui pue, là, mais... Je sais pas si c'est vraiment mieux, hein. Ah non, d'accord, c'est l'autre. Le sneak machin, ok. Bon. Ok. J'ai même pas vu qu'il avait porté un coup là. Ouais, non mais je pense que en fait, ceux qui ont voté pour Veshkane, oui, vous avez raison. je crois, j'essaie de l'amener à la phase 2, mais à mon avis, la phase 3, c'est mort. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à trouver une arme et une synergie qui marchent bien pour moi ici. Bon. On va voir ce que ça donne. Ah non, mais je vais essayer quand même, hein. Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut pas que je fasse ça parce qu'il me... Il me le renvoie en fait, il me repousse. Ok, on va rester planqué. On va tenter le coup. Là, juste attends. Là ou pas. Ah, quand papa est en colère. Ah non, zut, je suis là, à chaque fois je me fais avoir ceux-là. Quand je les fais comme ça. Oui, je suis coincée, j'ai remarqué, merci. Ah, il en restait une. Là, il est fâché, hein.
La chatte. Ou quoi? Ah! Honnêtement, si je suis là, j'y arrive, je sais pas comment j'aurais fait. Ok. Ok, bon. Bon, bah, je peux valider la prédiction, hein. Donc, tout le monde a voté pour oui, sauf une personne, c'est ça. Ok, alors, elle est où? Elle est où, ma prédiction? Veshkene face à Hades V2, 100% qu'on votait pour oui, ben, choisir la réponse, hein. Oupsie, ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, je canne toujours face à Hades V2. C'est, hop. Voilà. Au moins, vous aurez gagné des points de chaîne, vous n'aurez pas perdu votre temps. C'est vrai que les prédictions pour ça, pour l'instant, c'est safe, hein. Il n'y a pas à dire. Ah, qu'est-ce qu'il se raconte? Oh, les rapports d'hypnose sont impeccables. C'est pas ça peut pas être Zagreus qui t'aide à les faire. Merci. Inscrit que les aux choses importantes en haut de mes listes et je consacre un peu plus de temps aux rapports prioritaires, et ben ça a l'air de marcher. Hypnose, il grandit, il devient adulte, il a appris à travailler. Ah, c'est magique. Ah, les points pour ta peine, je t'aurais fait un cadeau, mais je peux pas. Quoi, c'est la nouvelle à propos de Maître Achille? Ah oui, c'est parce qu'il va aller voir Patrocle. Il va aller voir son petit copain, c'est cool. Il méritait mieux que de rester coincé ici, on est entièrement d'accord. Oh, les petits cœurs au-dessus de tout ça. Ah, c'est beau. À qui je peux parler? Pas à lui. On va ramener le poisson. Ah ouais, il y en avait trois. Ok, et qu'est-ce que lui il a à me vendre? Et après on ira parler à Mégère. Obsidienne, ouais, pour l'instant les obsidiennes ça va, je suis pas trop à la ramasse. C'est bon. Ouais, fier de Doussa, concierge en chef. Yes. J'adore la voix de Mégère. Elle est trop sexy. Mais allez, on sait que t'aimes bien tout ça. Est-ce que Nyx est là? Non, elle est pas là. Est-ce que maman est là? Oh oui. Je crois que j'ai un peu épuisé ces lignes de dialogue à elle. Enfin, en tout cas pour cette fois. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas encore dépensé là-dessus, moi? Non, ça j'ai pas encore assez pour finir, donc bah on finira une autre fois. Scalamius. T'as des mais... Ah putain, il y avait ça. Il y avait ça. Je sais pas, je me tends pour repartir sur Artemis, pour J'essaierai bien à l'arc, mais je vais être tellement nul que je suis pas sûre de... Je sais pas. Ouais, allez, on va réessayer avec Némésis. Parce que je n'abandonne pas. Je vous promets, je n'abandonne pas. Tu acceptes le fait que tu n'es pas comme tous les autres ici. Tes différences ne te rendent pas déficient. Au contraire, elles peuvent te rendre fort. Ton corps change, ce n'est pas sale. Ah, on commence par un poté-marteau. Lame cruelle. Est-ce que je fais encore des coups d'estoc du coup? Ouais, ben ouais. Oh, ouais, c'est pas mal ça. Ouais.
Et puis un petit poisson pour commencer. Ah, oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut que je m'occupe de ça avant. Oh, K.O., il veut me parler, là. D'habitude, il est pas aussi présent, on va dire. Mais bon, puisque c'est gentiment demandé. Le petit mollusque. J'aurais bien une petite peluche mollusque, là. Allez, K.O., je parie que Nyx est là-bas aussi. Yes. Bah oui, je vous ai trouvé en même temps, vous cachiez pas beaucoup, donc... Mais c'est toi qui m'as appelé! Mais il est... Mais quel connard! Il me dit viens, et après il me dit je te prie de nous laisser en paix pour le moment, mais... Mais je t'emmerde! Agitation percutante, en vrai... Allez, on va être joueur. C'était quoi, 70% d'ennemis en plus hein? Mais l'assaut sur Stygius, c'est carrément pas dégueu d'avoir plus 78% de dégâts, donc... En même temps, si c'est les mêmes ennemis qui réapparaissent tout le temps au même endroit, moi ça me va, hein. C'est pas ça qui va être dur. Ah, puis c'est que pendant 3 chambres, donc ça va. Ah, ok, alors on a quoi? De l'obsidienne, des clés, ouais, trop cool. Bon, ben... On va chercher ça. Vous voulez que je refasse une prédiction ou pas? Histoire de vous gagner de nouveau 7000 points de chaîne. L'air de rien, comme ça. Allez, le petit coupe-chou. J'aime bien par contre la lame de Némésis au niveau graphique. Hein. Elle est assez sympa, je trouve. Arthur est joli, Némésis aussi. Voilà. Encore un petit débile ici. Et c'est réglé. Hop. Hop, hop, hop. Artemis, voilà, enfin. Go 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 Artemis. Voilà. Il y avait du pognon mais je crois que je l'ai déjà pris. Hein. Effectivement les 70% d'ennemis en plus on les sent venir. Hein. En laissant passer surtout. Heureusement que c'est que Tartarus. Alors, à quoi j'ai droit? Frappe mortelle, technique mortelle. Ouais, dégâts de technique 74%, c'est cool quand même. Allez hop. Et je pense que j'ai dû démolir la jarre spéciale au passage parce que je ne la vois plus. Bah bon. Rien d'étonnant à ça, hein. Allez. Ah c'est vrai que j'ai encore rien sur l'élan donc forcément je vais pas leur faire des dégâts juste en leur courant dessus. Où t'es toi? Où qu'il a le dernier? Il est là. Voilà. Ah! Encore? Ah non! Je croyais que c'était encore un portail de chaos, je me suis dit c'est pas possible, j'ai à peine de partir. Poséidon ou Arès? Qu'est-ce que ça fait Arès Artemis? Par curiosité, ça fait quoi son duo? Lame de chasse. Ah ouais, me tire tranchant, je suis pas fan du tir de Arès. Et... Peut-être plutôt aller voir Poséidon, moi. Allez, McFly et Carlito.
Ah! Je me suis pris une OPSP dans la face! Je crois que j'ai fini Poséidon, ou presque. Tous ces habitants des rivières que tu as attrapés, nous partageons un lien étroit. Moi avec mon pouvoir sur les eaux infinies et toi avec ta capacité à attraper des poissons par un habile coup de poignet. Ah, tout ça pour ça, Poséidon. Tir de submersion, vous savez quoi? Je vais prendre ça pour changer. Ok. Je sais pas trop pourquoi ça a augmenté. Juste parce que j'ai pris son bienfait? Ou j'avais un délire sur les poissons? Ah là, je sais pas du tout. Est-ce que j'avais une mission que Poséidon m'avait filée? Genre, il fallait que je pêche tant et tant de poissons? Comme Arès qui m'avait demandé de buter 10 000 ennemis? Je sais pas. Oh, Ereb! Ça, je vais essayer par contre. Enfin, si la récompense est pas trop pourrie. Voilà. Mais non. Mais... Ah là là, moi, il m'a visé magnifique, hein. Ouais. Go, Ereb. Genre, tu sautes dans une paille, ta gueule qui se ramène en mode « Va, t'es trop fort en fait !» Ouais, c'est ça, quoi. Alors... faut que je les bute avant qu'ils me tirent dessus. Voilà. Oula, il y en avait un là que j'ai failli pas voir. Comme quoi. Oui, je sais, je suis en mode prudence extrême dans ce genre de truc. Non, je n'ai pas de la chance, papa. Ça s'appelle du skill. Répète après moi. Du skill. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est cool. Bon. Bon, les récompenses de pognon, c'était quand même mieux, mais bon, c'est pas grave. Boum, boum, boum. Alors, où est les suivants? Ah, ah, ah. Petit cendropode. Je me disais, il y avait moins d'ennemis, mais c'est vrai que du coup, j'ai plus le truc de chaos. Forcément. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Essence vitale. Ah, parce que les... J'ai jamais dépensé de pognon là-dessus, mais en vrai... non. J'ai pas envie. J'ai pas envie. De toute façon, les coins de pêche, je les rate la moitié du temps, donc... C'est pas la peine de dépenser du pognon pour en trouver un que je raterai aussi. Donc c'est moi, ça fait trois portails de chaos là pour le coup. D'habitude il y en a un peu moins quand même. Hein. Mais là, juste avant les boss, moyen motivé pour aller voir chaos. Ah, Poséidon Artemis. Bon bah je crois que le signe de la run est décidé. Hein. Alors, on va commencer par Artemis. Frappe mortelle, élan du chasseur, point de pression. Ouais, la frappe mortelle, ça va bien se combiner avec Némésis. Oh là là. Ah oui, alors lui, c'est des espèces de vagues comme ça qu'il envoie, d'accord. Ça, il va falloir que j'y fasse gaffe.
Bon, au moins c'était vite fini. Il a pas fait durer. Bah oui, file-moi ta bénédiction. Élan marin, est-ce que je prends l'élan? Le typhon est sympa aussi. Je vais regarder quand même. Poséidon. Ah ouais, pour la seconde vague, ça peut être bien de prendre le typhon déchaîné. Ok, bon ben... Va pour celui-là. Et ça sent la salle juste avant les boss. Est-ce que le nom de Thaddeus vous dit quelque chose? Ouh là là! Non, je vais quand même pas me prendre un fight! Ah non. Ouf, j'ai cru qu'il allait se mettre vraiment en colère. Ah, Zagreus, tu devrais fermer ta bouche parfois. T'étais pas censé en passer. Je suis fière de Tisiphone, elle a retenu mon nom, elle sait le prononcer. C'est bien. Quelle elle. Ah. Bon, c'est déjà ça. Ah. Ah zut, j'aurais pas dû me rapprocher. Non, mais Mégère! Mime! Bon. Elle est où? Bon. Je suis pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Pousse comme on peut, hein. Ah! Ça me stresse à chaque fois, comme elles sont plusieurs, des fois j'en vois descendre une et c'est pas celle que je dois frapper. Bon. Ça se passe un peu mieux que mes gères quand même. Ah! J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non mais en vrai, ça pourrait être pire. Je suis presque sur Tisiphone là. On va éviter de se coincer dans le truc d'Alecto et ça sera bon. Voilà. Oh, ce petit coup d'épée là, choc. Ah, c'était stylé. C'était stylé. Bon, bah du coup j'essaye Artemis Poséidon. Je sais pas du tout ce que ça donne comme synergie, mais... Enfin, avec cette arme, mais on va voir. On va voir. Oh, tout de suite. Bon bah du coup, Poséidon. Poséidon, j'ai jamais pris son objet là, ou quasiment pas. Enfin si, un peu, mais... Allez. Go Popo. Ah, et de l'amia. Purée, il me reste rien comme thune. Il me reste que Pouic. Avant, j'avais 500 balles ici. Je sais pas comment j'ai fait. Je crois que j'étais pas allé chez Caron. Ah bah ouais. Je suis pas allé faire du shopping avant. Et voilà pourquoi je ne prends jamais la lame cupide. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Toup, 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 toup. Doudoum, doum, doum, doum. Ouh, cône de chantier. Ah oui, c'est vrai que là j'ai plus le marteau rigolo qui me faisait l'attaque. Okay.
Voilà. Ah. Mais... Tu me saoules. Merci. Bah voilà, la conque, elle a augmenté, elle a passé d'un rang. Là j'ai quoi? Ok, bah je vais prendre du Hermès. Hein. Ouais, j'ai pas envie de m'embêter avec le trésor, flemme. Flemme ultime. Comme d'hab. Bon. Comment il s'appelle hein? Vague... Wave Makers, ok. Ah oui, le vagabond. Oh, ce jeu de mots. J'oublie que j'ai pas Athéna du coup pour les repousser. Voilà. Pour eux par contre, le lancer de Poséidon, il est carrément sympa. Comme ça tu m'as démasqué. Ah bah oui, parce que j'ai dit Tados. On sait plein de choses sur toi, de ton côté aussi, moture sur nos affaires, capiche. Y a pas de soucis. Hein. J'avais pas l'intention de... On va prendre ça. Et on va aller voir ici la grenade, le cœur. Bon, on va aller prendre un cœur. Hein. Ouais, petit cœur. Ça, j'arrive nouveau à 300 PV sur Asphodel. Bon, je suis peut-être pas à 300 là, mais... 235. Ceux-là, ils sont presque reposants à côté des bleus et des rouges. Hein. Les squelettes, j'entends. Voilà. Allez, go! Go, 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 go! Il est mort dans la lave? Yes! Il va peut-être pas rester coincé de là-bas, hein? Surtout pas quand il y a elle qui m'embête, hein? Voilà, va dans la lave, toi, et reste-y. Non, pas moi, lui. Regardez-moi cette visée de merde. Voilà, reste-y. Non, bon, il veut pas. 260, ok. J'ai cru entendre un ding, mais je crois pas. Hein. Je crois que c'est moi qui me fais des idées. Je pense pas. Ah, c'est ça que j'ai entendu, ok. Ouais. Ah, je dis une malédiction de chaos Pharaon, c'est déjà pas mal. Et là j'en ai une bonne sur l'assaut donc. Oh la barge, la barge, la barge. Yes, yes, yes. Ça me gratte. Allez, boum! Voilà. Prends-moi mes émolites! Non, trop près. Donc j'avais dit, il faut absolument que je fasse du... que je mette du DPS sur la frappe. Donc faut que je balance des grenades dessus. Oui, la question que je me pose est exactement ça. Il y en a combien encore? Bon, normalement, il y a toujours 3 vagues, hein, donc ça, c'est rien de surprenant ici. Voilà. Hop! Torcher! Non, peut-être d'abord prendre... Ah, j'ai oublié de lui offrir un truc à Poséidon! Élan marin. Go l'élan. Que j'ai rien dessus. Donc là j'ai lancé, j'ai l'élan technique et... Je sais plus, j'ai quelque chose sur la frappe. Ouais, c'est juste le soutien qui me manque. Excellent.
Je sais pas pourquoi ça arrête pas de sonner, mais... Pour l'instant, c'est pas pour moi. Les seules choses que j'attends, c'est des livraisons, et c'est pas pour aujourd'hui. Ah ouais. Là, ça commence à bien torcher. Et il en reste encore un, je pense que c'est le dernier. Voilà. Ah, ce petit assaut frontal là. Ah non, là j'ai pas le truc de Dioniso sur cette run. Il y a du Déméter là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un cœur. Je vais prendre le cœur, je suis pas spécialement partie sur une run Déméter pour le coup, donc... On va essayer ça. Oh, Thanatos! Non. Non, j'ai pas besoin d'aide, mais... Pense ce que tu veux, Thanatos. Je sais que tu as besoin d'excuses pour venir me voir. Cela me touche, t'inquiète pas. Où est-ce qu'ils sont les autres? Oh non, mais Thanatos, tu triches, tu les attaques alors que j'ai pas vu qu'ils étaient là. Ok, et toi je vais te finir tranquillou. Ah, il est là. Ça va, j'ai gagné, yes. Nous ne laisserons aucune trace. Oui, et... Merci. Ah, 50 PV, du coup, ah ben... Ouais. C'est pas plus mal que je sois pas allé sur... Comment ça s'appelle? Ereb. Je pense qu'on va arriver sur l'hydre, hein, donc je vais quand même voir K.O. s'il a pas un petit sandwich pour moi. On va voir. Ouais, gagné. Oh, non, il a pas de sandwich. Bon, tant pis. On va gagner des PV comme on peut. Hein. Go Hydre! Go, go, go! J'ai assez rarement le lancer de Poséidon, donc on va voir ce que ça donne contre elle. Hein. Le doux son de ton flifflement, mais ouais. Allez. Ah! Là, j'aurais bien aimé avoir du Athéna, par contre, pour le coup. Mais bon, on fera avec. On a au moins un petit peu de tout, excepté le soutien. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'elle me lance? Ça va être les petits tirs, hein. Ouais. Ouais, le trou que ça a laissé, quoi. Tranquille, l'Ernie, là, l'air de rien. Voilà. Elle me les a tous rendus, yes. Faut que j'arrête de me prendre ces coups, là, de tête. Ça fait mal. Allez. Voilà. Et un petit dernier là. Voilà. Ah, il en reste encore une. Oh la salope. Ah, comme elle s'est coincée sur l'autre Lerny et du coup, je les confondais.
Voilà, faut que j'évite de rester debout dans la lave. Le trou qui fit sur la lave trop forte, l'hernie. Mais ouais, mais c'est magique. Ah, cette l'hernie, hein, si elle était pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Asphodel serait juste pas pareil. Ok. Oui, maintenant je vais pas purger. Non, rien qui m'intéresse. Eh ben le gland, il faut que je pense à utiliser lui, j'y pense jamais. Le compagnon Cubitos là. Ouais. Bon, je suis partie avec celui-là, donc on va le garder, hein. Puis pas le choix. Ah, pas le choix. Mais bon. Par contre, ce soir, je ferai pas une troisième run avec les mesures d'urgence comme ça sur Hades. Hein. Je crois que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Faites de votre pire. Je l'attendais, celle-là. Ouais, secret pour battre les monstres aux papillons, juste les poutrer. Toujours. Ne pas s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Ah, viens là, toi. Lui, il a dû se prendre une flèche des un des pièges. Hein. Vague à l'âme, double nova, supernova. On va prendre celui-là. Quoique. J'ai quoi sur la technique? Je sais plus. J'ai du Poséidon. Non, j'ai de l'Artémis sur la technique. J'hésite. J'ai quand même dit que j'essayais de bourrer l'attaque, donc. Hermès et grenade. Ouais. Ah, il y aura un petit trésor, on va voir ce qu'il y aura dedans. Si j'oublie pas. T'es où toi? Viens là. Viens là. Et vous aussi, venez là. Ah là, il manque plus que le machin à tête chercheuse d'Artémis là qui se met sur l'attaque et la technique et tout. Oh là là, les chars. Je leur fais bouffer leur mort à eux. Voilà. Message for me. Ah, courrier. Recharge rapide, réflexe suprême, on va prendre ça. Godspeed. Ah, j'avais dit que je regardais juste ce qu'il y avait dans le trésor, mais... Non. Pas motivé. J'ai pas envie de partir sur Aphrodite pour le coup. Je vais essayer de viser quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, on va dire. Aphrodite, en vrai, c'est surtout avec l'aspect caché des points que j'aime bien l'utiliser. Voilà. C'est marrant d'être sur les monstres normaux là comme ça, j'ai l'impression que ouais je torche bien et tout. Puis après j'arrive sur Hades et je fais ah mais non en fait je lui enlève que dalle. Hein. C'est d'une tristesse absolue quand même. Bonjour. Frappe mortelle. Et on va retourner chez Popo. Même si en vrai le soutien de Poséidon c'est pas ce que j'aimerais, je préférais Artémis. Butterfly Ball. Je me demande par contre les papillons à quoi ça fait allusion. Il doit y avoir un truc style psychopompe ou je sais pas trop quoi. Mais je sais pas. On va peut-être buter l'archer en premier parce que lui il va me faire suer pendant un moment. Voilà. Allez, casse-toi. Allez. Le dos au mur. C'est parfait. J'ai encore oublié de lui filer.
déferlante. Trésor englouti, mouef. Fracturé, il fait quoi de nouveau? On va prendre celui-là. Let's make some waves, right, uncle? On va faire des vagues. Ah, cette run est sous le signe des jeux de mots pour Rob. Clairement. Où est-ce qu'ils sont? Viens là. Viens des. Ah. Pas voiseur. Ok. 340. Ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Essence vitale. Ouais, là ça peut valoir le coup quand même. Et on va chercher un petit nectar. La technique du coup d'épée dans l'anus, hein. Perdre de la vie connement quand même. Voilà. Voilà. Bye bye. Oh là là. C'est quoi je me suis pris? Ah c'est un coup de lance que je me suis pris je crois. Ou pas, je sais plus. Je rêve ou j'ai trouvé... Pourquoi il a fait... j'ai trouvé un sandwich ou quoi? Je me souviens même plus ce que j'ai pris. Non, j'ai pas de sandwich pourtant. Bon. Il est où lui? Viens là. Ok, ça dépotait bien celui-là. Il te sympa ce combat. Il te sympa. Essaye de voir tes miches. On va s'amuser. Je sais jamais lequel est le pire des deux, si c'est Poséidon ou Artemis, mais... On va commencer par elle. Ah bah voilà, soutien d'Artemis, bah c'est parfait, comme ça j'aurais pas à me poser de questions. Ce que tu viens de faire équivaut à me cracher à la figure. Laisse-moi te rappeler que l'océan peut te rendre l'appareil. J'allais dire, écoute, oui c'est de l'eau, il s'est salé, ça devrait plaire, hein. Non? Je vois, j'ai pas vu sa vague de flotte là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ouais. Ce serait bien s'il m'en envoyait un petit peu moins. Je sais pas si c'est le dernier. Non. Il y en a encore un, mais je le vois pas. Ah, il est là. Voilà. Là, je peux pas lui faire un cadeau, évidemment. C'était un beau combat, je suis d'accord. Point d'ébullition. Mer déchaînée. Qu'est-ce que je peux avoir, là, avec lui? Seconde vague, j'ai tout ce qu'il faut. Ça j'ai jamais eu, tiens. Pourrais essayer Poséidon Déméter à l'occasion. Pourrait être sympa. Je disais, bah non, celui-là en fait c'est le duo que je pourrais avoir. Bon, donc j'ai tous les prérequis pour ce qui pouvait m'intéresser. Artemis. Son légendaire c'était quoi à nouveau? Ah non mais j'ai pas ce qu'il faut. Papi. Va prendre mer déchaînée. Let's make some waves. Hello Patrocle, file-moi de l'hydracola. Come all this way, huh? Ah, ils sont bien ensemble, hein. Ils sont beaux tous aussi, tous les deux. Ils vont bien. Je resterai bien, ouais.
All yours. Allez, Caron. Qu'est-ce que t'as de beau à me vendre? No urns permitted in this chamber. Athéna. Un peu de Athéna et puis une grenade, ça le fera, tiens. Here's the fee. Peau de bronze, ouais. On va prendre ça et good enough to eat. Regarde, pas mal là. Y a pas de poisson? Non, y a pas de poisson. Ah non, ah bah oui, c'est vrai, j'ai dit Dracola, je suis conne, évidemment. Donc c'est bien, ça m'a quand même rempli ma jauge de vie. Tu es indigne des dieux alors que j'ai gagné leur faveur. Mais moi aussi, mec. D'accord, Astérion, c'est comme ça que tu le prends. Ouf, ça va, il a foncé dans le poteau tout seul. Oula. Pourquoi je sens que Thésée, il va partir en... Ouais, voilà, je le sentais. Allez, viens, Astérion, où est-ce que t'es? Ouh. Ah, j'ai le soutien qui est chargé, mais ça saoule parce que maintenant... Ah non, elle a... Ça a cogné Thésée. Ah, c'est pas ce que je voulais. Pourquoi il perd de la vie, lui? Comment ça se fait que Thésée, il perde de la vie? Là. J'ai pas compris par contre pourquoi Thésée il perdait de la vie graduellement. Est-ce que c'est... Non bah non, c'est Artemis qui l'a cogné. Aïe. Ces obus, faut vraiment que je fasse gaffe hein. J'ai plus d'hémolite. Bon bah Artemis elle va attendre hein. Voilà. Bon, t'es où toi? Ah ah ah, son char est pété, excellent. Comment oses-tu, monstre? Bah oui, j'ose. Ah. Voilà. Ah là là, Thésée. J'ai l'impression qu'il oublie entre chaque combat, quoi. C'est, t'as pas de mémoire, mec, ou quoi? Ça fait 150 fois. Allez, mes fans! Guess I'll be going then. Et go, go, go! Cerberus is patiently at work instead of resting here. Oui, oui, Cerber fait son travail, on est d'accord. Et? Ouais. Ouais, si, je veux quand même le prendre. Ah bah non, j'ai encore le premium. C'est pas la peine. Je me disais bien. Je pose la question parce que je suis en train de voir, j'ai le retour des sous-titres sur OBS. Est-ce que les sous-titres en vrai vous les avez sur Twitch? Parce que moi forcément quand je suis en stream je teste pas, évidemment, vu que je stream. Mais... Poisson! Poisson! Doup doudoum doudoum. Oh, le boursou aussi. Le boursou, j'aimerais trop, pareil, avoir une petite peluche comme ça, de ce truc.
Bon, bah, il y aura les grenades et Poséidon, le reste m'intéresse que moyennement. Alors, bah, on va commencer par Poséidon. This one, I guess. Coucou Aglos, comment ça va? Ah, on voit les sous-titres, excellent, merci du retour. Ah! Faut peut-être que je fasse gaffe à ce que je fais, mais ça c'est autre chose. Ok, ouais, parce que forcément, moi j'ai jamais testé. Je sais que j'avais testé une fois et j'avais l'impression que ça marchait, mais... Donc comme ça, tout le monde peut lire, en plus d'écouter mes conneries, c'est magique, hein. Allez, viens là, toi. Et toi aussi. Ouais, bah moi je dis, la run Poséidon Artemis, ça marche pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur Hades, hein, comme d'hab. Ça va toujours être le problème principal. Non, ils sont pas assez près des pièges. Ils sont pas assez pieds, assez près. Ouh! Oh le bâtard, il a failli m'avoir. Il m'a eu. Il tombe du plafond, c'est crétin. Zut! Ah! Je suis pas arrivé. Je crois que j'ai encore. Ah non, j'ai plus d'hydracola, zut. Alors, pression hydraulique, déferlante. On va prendre ça. J'ai pas eu ce que je voulais pour l'instant, mais c'est pas grave. Il y a encore un Poséidon qui traîne après, j'aurais peut-être une chance d'avoir le légendaire que je voulais. On va dire Athéna et après je prendrai Déméter. En vrai, comme dit, je suis pas du tout partie sur une run Déméter là, donc... prout. Ok. Ah, ce petit coup, je me fais empoisonner tout à la fin là, parce que sinon c'est pas drôle. Ils sont combien? Ils sont plus aucun. Sac de satyre, pas sac de satyre. Ah. Ah, c'est quoi? C'est la deuxième salle? Ouais, c'est la deuxième, ouais. Ah bah ouais. Bon. Qu'est-ce qu'elle va me donner, elle? Bah oui, j'ai changé de stratégie, après tout. J'ai pris Poséidon Artemis pour une fois. Démarche assurée. Ben, on va garder celui-là. Normalement, ça compte pour les jars aussi, hein, chez Hades. Hein. Oh, il n'y a pas de sous ici. Je suis triste. Hein. Je suis très triste. Parce que du coup, ben, ça va être... on va essayer Poséidon et puis le dernier. Yes. Celui-là, je l'avais pas encore. Enfin, je crois pas. Qu'est-ce qu'on... Bah on va augmenter Mer Déchaînée, hein. Allez go Hades. Je commence à connaître par cœur ce truc. Mais c'est pas pour autant que j'y arrive. C'est hélas la grande tristesse et tout le drame de mon absence de skill. Un peu là-dedans, je vais prendre un petit bradzal. Désolé pour les crunchs. I made it. En fait, je préfère grignoter des trucs salés que sucrés au final, c'est cool. C'est meilleur. Crisp, cold air. Bon, les sous-titres, ils font nawak. Seems our underworld still has many failings that you'll have to deal with after this. Ouais, faut que tu upgrades ton firewall là.
Change de firmware, mec. Oula! Papa, il est pas content. Zagreus, va dans ta chambre. T'as été un méchant garçon. Oula, 80. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, Artemis. Ah! Je me suis pris cette merde, là. Oula. Bon, là, le cristal, il m'emmerde. Il fait pas beaucoup de dommages. Hein. Oh là là. Bon, en même temps, il n'est pas légendaire, mon appel. Hein. C'est vraiment l'appel d'Artemis de base. Faut être honnête. Aïe. Tout ça en plaçant ma technique comme ça. Il y est presque. Mais non, le cristal. Qu'est-ce qui m'emmerde, lui. Encore pas assez rapide. Bon, donc j'espère bien que les jarres comptent comme des pièges, hein. Aïe. J'aurais dû me barrer. Je pensais pas qu'il me toucherait. Ouais, pète tes jarres, pète... Putain. Bâtard. Il en fait sortir combien? Non, 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 j'ai pas le temps d'admirer papa. J'ai vraiment pas le temps d'admirer, tu sais. Ouh là là. Mais t'es un peu overkill, mec, hein. Ah! Mais non! Ah non, c'était nul ça! Arrête de me sortir des jarres! Non. Bon, malheureusement. Non, ah non, je perds trop de refus de la mort là. Mais j'aime bien cette synergie. C'est. Poseidon Artemis, c'est pas dégueu du tout là contre Hadès. Ah, ah. Ah, le bâtard, il y a encore le brouillard de guerre là et puis il m'envoie son truc.
Ouais. Oh non, la nouille. Ok. Je pense que c'est trop chaud pour que j'y arrive, mais on va quand même tenter, hein. Évidemment. Parce que... on va pas s'arrêter comme ça. Ah! Y'a pas une jarre? Par le pouvoir du crâne ancestral. Ah! Zut. Je recommencerai avec Poséidon Artemis. J'aime beaucoup cette combo. Je pense que ça peut donner quelque chose. Ouais. Il n'y a pas à dire. Par contre, je vais pas faire ce soir parce que... j'ai quand même pas mal mal au crâne, donc je pense que je vais tout doucement arrêter. Enfin, repartir pour une troisième run, en tout cas, c'est pas le bon plan. À plus tard, frère. Ouais, merci de m'accueillir. Bon, lui, il va plus rien me dire de nouveau. Thanatos, il est parti. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Ouais, la maison se porte bien, je suis d'accord. Rénovation, j'en ai fait pas mal il y a quelques temps, donc on va attendre encore un peu. Veuillez à ce qu'on s'occupe de tout. Ok. Livraison de poisson pané. Parce que... plutôt de poisson grillé à force d'avoir traîné à Asphodel. Hein. Non, par contre j'aurais bien pris un 100 titans pour 200 gemmes, là je dis pas. C'est des fleurs qui crament. Ah ouais, on dirait. Je vais remettre des fleurs violettes à Nyx, parce que les roses là, elles sont... c'était quoi de nouveau le truc? C'était pas ça. Non. Sont où les fleurs là pour Nyx? Bon. Je sais plus où c'est. Bon, tant pis. Tapis. Je retrouverai ça un jour, une autre fois, mais pas ce soir. Salut, Chambre. Oh, Tado, c'est un truc à me dire. Hein. Est-ce que t'as parlé de nos petites conversations de l'autre fois, Caron et Hermès, sur tes sources? Parce que je leur ai rien dit, mais ils avaient quand même l'air d'être au courant. Mais Agréus, mais t'es con, c'est toi qui as dit à Caron, est-ce que tu connais Tados? Mais... je croyais qu'on s'était mis d'accord pour plus jamais en parler, comme ça je serais plus obligé de tout raconter à mes sources ensuite. Je sais pas, si, je crois que j'ai attiré des ennuis, mais c'est pas grave. Ouais, en même temps. C'est pas faux. Si c'était le cas, je serais plus là. Bon. Let me see into your past. Ouais. Ça, je peux pas. Bah, tant pis, on va être obligé de le garder au niveau 1 pour l'instant. Mais ouais, on va repartir sur Artemis Poséidon pour la prochaine run. J'ai bien aimé, là. J'ai bien aimé les combos que j'ai eus. Donc, je pourrais essayer de reviser un truc comme ça. Un soutien d'Artemis un petit peu plus burné, ça serait pas dégueulasse non plus. Mais je ferai pas ça ce soir. Je garde ça pour la prochaine run, donc sans doute mardi prochain. Peut-être avant si j'ai le temps de caser un stream sauvage, mais je suis pas sûre. Ou alors après le dessin, si je finis mon dessin rapidement, peut-être à voir. Ce que je vais faire pour le moment, je vais faire comme d'habitude. On va faire un petit raid. Je vais juste regarder qui c'est qui est en ligne. Qui c'est qui est là? Alors Kevlesco, il fait Life is Strange Before the Storm. Et comme j'ai pas envie de me spoiler, bah malheureusement je vais pas y aller. J'ai quelqu'un qui fait du Okami. Bah sinon il y a Crystal évidemment. Sinon je vous ramène chez Crystal, hein, c'est pas un souci. Hmm.
Oh, on va passer chez Emile moi parce que ça fait longtemps que je l'ai pas raid. Mais en vrai, j'irai aussi me mettre chez Crystal. Hein. Je regarderai les deux streams en même temps parce que je suis multitâche. Ça ne pose pas de soucis. Bah alors Twitch, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je crois qu'il vient de commencer Emule moi. Ouais. Ouais. Je vais envoyer un petit raid chez Emule moi. Bah bonne soirée Azriel et Azeila. Hein. Merci bah, pour votre présence hein, comme d'habitude. Et puis donc je lance le petit raid et puis pour ceux qui vont chez Crystal, je vous retrouve chez Crystal en même temps parce que bah, comme dit je fais deux streams en même temps. Sinon j'ai jamais le temps de regarder. Dis non j'ai jamais le temps. Ok, bah écoutez, désolé, je coupe un petit peu court, mais comme dit, j'avais mal au crâne tout l'après-midi, mais c'est pas passé malheureusement, donc là, ça commence à être un peu dur. Donc, bah, à vendredi soir pour Hollow Knight. Donc, bonne soirée à tous. Bye bye, je lance le raid. Comment ça va? Comment ça va? Je pense que tu es sur Hades. Donc là, ici, on est d'accord que c'est pour que tu descends à la barre Windows aspect, hein, c'est ça? Comment ça va?